Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous capables de rejoindre encore avec un moment de prière. Prière du matin que nous gagnons à l'émission à travers la Bible TV. Donc, c'est toujours un privilège pour nous rejoindre ensemble avec vous. Nous comptons que le Seigneur nous fait grâce. Il fait nous dormir, nous lever encore. Et nous-mêmes, comme des fois, nous. C'est pour dire merci, c'est saluer-les. Et puis, remettre la journée à la main. Parce que c'est lui-même qui est maître, qui connaît et qui possède toutes les ressources nécessaires pour être capable ensemble avec nous. C'est toujours parce que l'audace à Virgin qui l'a pour servir. C'est avec joie que nous faisons ça. Donc, nous comptons et nous sommes bienvenus. Ce matin, nous avons invité pour réfléchir ensemble avec nous sur une parole que Jésus a prononcée et sur la croix. Et nous va voir un peu de mots et bien implications de mots. Ça. Nous sommes dans Jean chapitre 19, verset 28. Il dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Et verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche, d'hysope, ils la pochèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, c'était un moment ça, eh bien, qui est arrivé pour lui-même, pour être capable et rempli. Tout ça qui t'est dit pour accomplir, tout ça qui t'est écrit dans la prophétie sous lui-même. Et Noël, il dit ça clairement, oui, non, verset ça même. Il dit, afin que l'écriture soit accomplie, il dit, j'ai soif. Et ça, c'est déjà écrit dans l'Ancien Testament, dans la prophétie. Et nous voyons ça dans le psaume. Dans le psaume 69, verset 21, dans le psaume 42, verset 1 et 2, les soif côté, eh bien, et psalmiste dit les soif, présence, mon Dieu, les soif. Et donc, nous, c'est tout ça qui écrit, là où je viens, la trahison d'un proche, l'abandon des disciples. La fausse accusation, le silence devant ses juges, tout ça est écrit, son innocence et sa mise au nombre des malfaiteurs, au nombre des malfaiteurs, et sa crucifixion, la mise en jeu de ses vêtements, il a tiré le sort. Et parole là, te dit, eh bien, il vient pour prier pour ses ennemis. Ésaïe 53, verset 12. Et puis, et psaume 22, verset 1er 2, il dit, elle parlait de l'abandon de son Dieu. Et c'est une parole, il criait, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, toutes ces paroles qui étaient douées, accomplies, et ces moments qui arrivaient, eh bien, les. Et garder les ouais, la souffrir, moment difficile là. Et il dit les soif. Et il y a des gens qui dit, eh bien, et qui est soif ça? Comment soif ça? Et Jésus qui c'est Dieu, c'est créateur, c'est ça. Mais il faut pas oublier, Jésus c'est 100% homme et 100% Dieu. Et lui est souffrir. Et soif, les gagnants, et deux sens là-dedans, il y a un sens spirituel et un sens physique.
sens physique, li genyen tout branche sa yo la dan, ki montre ke e li genyon bezwen, bezwen de bwa naturel kom tout om, kom tout humen, ki, ebyen, pase mouman difisil lan soley, nan mouman yo vini pou yo kapab e cheshe dlo pou yo pran. E yo di genyen yon soldat infimi ki te ekri e nan parol yo li di, ebyen, le blese, moun ki blese yo, yo toujou soif, yo toujou gen kou soif. E se sal diri, le blese ont toujou soif. E toujou soif. E premier geste, yo di, ebyen, soldat infimi yo, se bayo dlo, se cheche apese e soif la, dezaltere soif la. Se sa, yon nan ansyen soldat infimiye ki kon sou chan batay pou ide soldat ki blese yo. E yo di, se sa, Jezu te pase tout tan ni. E depi yo fin arete li, ya maltrete li. Yo bat li, san, soti nan kol li, yo fel chaje kwa li. Donc tout sa yo fe li e soif. Li soif son soif naturel, menm jan ke li te fatige. E yon jou lan minister li, il te chita bo, pi Jacob la, e fam lan te vini pou puize dlo, e li di, bon mon ti dlo pou mwen, c'était un soif physique. Et en même temps, il dit que Jésus tout est un soif spirituel pour le sauver, Madame Sartou. Et parce que il dit, et c'est moi tabao yon dlo qui t'a jailli dans vous-même, qui t'a tourné un fleuve d'eau. Donc, c'est ça, l'a accepté Jésus, eh bien, ou jouen dans l'eau. La présence Saint-Esprit, hein? De l'eau, c'est symbole Saint-Esprit qui est dans nous-mêmes. Donc, c'est tout ça. Jésus est soif vrai en réalité, parce que c'est un homme lié, qui a souffert et pour le comprendre qui j'en nous-mêmes, les nous soif, les nous gain désir, parce que c'est ça, oui. Il dit que, eh bien, et soif, c'est un besoin. C'est besoin de boire et c'est un besoin qu'aucun qui est capable de produire des choses extraordinaires et qui pousse un désir ardent, impatient, passionné pour quelque chose. Il y a des gens qui soif pour manger, soif pour joindre, il y a des choses qui veulent posséder, soif pour gagner connaissance, tout ça, c'est sans soif la gagner. Donc Jésus te gagne tout bagay sa yo, il te gagne yon soif spéciale pour sauver moun. Parce que c'est ça, c'était mission. Il te gagne mission pour sauver moun. C'est lui-même qui dit ça. Oui, il te dit ça. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a soif pour ça. Et vous songez à maintes occasions, il a pleuré. Il a une sensation, il est touché, il était pleuré dans la mort, Lazare, malgré le bras levé, il était pleuré, il était en vie, ouais, Lazare debout encore. Il était pleuré sur quand Jérusalem, la Jérusalem refusait. Refuser, accepter, rejeter, li ouais malin qui pourrait le tomber sous les. Il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler et tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Voilà, il était en soif pour rassembler les enfants d'Israël, les enfants de Jérusalem. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils ont un danger pour eux-mêmes. Et ils ont temps pour arriver à la maison pour aller rester déserte. Et ça a été en l'an 70. En l'an 70 après Jésus. Il a fait déclaration ça en l'an 30, vous pouvez imaginer. En l'an 30 et après Jésus-Christ et en l'an 70. En l'an 70, ça veut dire 40 ans après, eh bien, temple vient craser, moun yo aller en captivité, il y a un gros problème, ça accompli. Donc, ça veut dire. Donc, il comprend soif, nous, il y a soif, la vraie, eh bien, il comprend qu'il soif, c'est ça que fait, je dis, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on a n'importe situation, il y a soif quelconque, ou capable d'adresser à Jésus. Il est capable d'aider. Nous pouvons aller dans la prière, aller devant avec soif ou bien soif pour petit ou ta changer, pour mariage ou ka corriger, pour ou bien soif pour un travail, ou bien soif pour aller à l'école. Eh bien, c'est pour faire ça, ou bien soif pour Haïti, pays ou changer, pour patron changer, ou bien soif ou bien envie, ou bien envie de faire ça, aller côté Jésus. Dans la prière, on nous aller dans la prière. Seigneur bon Dieu, nous te remercions pile pour grâce. Merci de t'avoir accepté toute souffrance parce que tu as soif pour sauver, tu as soif pour bâtir l'église, tu as soif pour capable et bien racheter nous du péché pour nous la vie éternelle. Et bien nous te remercions pour ça. La mando capable avec tout le monde qui a soif, qui a besoin qu'on y a même, qui a besoin de travail, qui a besoin de santé, qui a besoin de quitter l'hôpital, qui a besoin de famille capable d'améliorer, qui a besoin de faire un achat quelconque, qui a besoin d'un bagage quelconque, qui a soif. Pour t'avoir pays changé, nous avons soif pour t'avoir Haïti changé, pour nous être capables de tourner la caille, pour nous être capables de vaquer à l'activité, pour aider à développement pays, pour nous être capables de faire action pour nous changer la situation. Nous avons soif pour nous souhaiter un pays, un peuple à finir comme ça. Nous prions, nous exaltons. Nous te remercions parce que nous connaissons, attendez, crier nous, on peut aider nous qui avons soif quelconque dans l'occasion ça. Nous te remercions pour te accepter mourir pour nous-mêmes, pour te accepter faire toute bagarre, nous exalter non, au nom de Jésus. Amen, amen. Nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous pour présenter aux prières du matin. N'a pas encouragé pour continuer et remet eh bien émission ça pour eh bien partager là avec l'autre jour. Écoutez lecture que nous fait avec Madame Chino de Vuljean à travers la Bible, à travers la Bible TV. Donc encouragé pour écouter vous pendant vous allez dormir, pendant vous sortir, vous capable d'attendre eh bien lecture ça et puis partager avec l'autre monde. Une bénédiction. C'était Pasteur Louda Saint-Vilgen qui était là pour encourager. Nous avons souhaité une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.